Et eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre survie modéo 1.16 et je vais répondre. Un commentaire qui m'a un petit peu énervé, ouh là là, ouh là, attention Mkolo il est énervé hein, ouh là là là, heureusement qu'il y a le petit panda qui est là pour me calmer. Non non, il m'a énervé sur le coup, mais je suis pas énervé contre la personne, je peux comprendre parfaitement, mais il faut juste comprendre quelque chose aussi. Alors, c'est que cet abonné en question m'a dit, ouais, en fait je vais me désabonner de ta chaîne, globalement hein. je vais me désabonner de ta chaîne, je vais arrêter de regarder cette série de merde, parce que tu dis que tu vas t'installer dans le nether, tout ça tout ça, et ça fait depuis longtemps que t'as pas bougé, que t'es toujours installé dans ta même base, etc. Alors, mon ami, déjà, dans trois épisodes, c'est réglé. Quoi qu'il arrive, dans trois épisodes, on va s'installer dans le Nether. Et laisse-moi prendre le temps, on profite. Parce que le but de la série, il n'y a pas d'objectif. On se fait plaisir et j'arrête la série quand je veux. Sauf que le principal objectif, le seul gros objectif, c'est de s'installer dans le Nether. Donc, si je m'installe dans le Nether et qu'après, j'en ai marre, et eh ben la série sera déjà terminée. Ce serait vraiment dommage avec tout ce qu'on a encore à faire. Donc, laisse-moi prendre mon temps, on est tranquille. Ah la cool N'oubliez pas le pouce bleu d'ailleurs, merci de me suivre encore. Regardez, j'ai un petit peu amélioré aussi la caméra, c'est-à-dire que vraiment j'ai plus mis ma tête en avant, plus gros, mais en même temps c'est plus petit, ça prend moins de place. C'est mieux, je pense, n'hésitez pas à me le dire. Bref, les amis, je suis de retour à la maison, j'ai fait le, le trajet euh, en off, et en fait il faut savoir que le Stronghold, enfin euh, le portail de l'End, je l'ai trouvé. Je suis un cassos, hein. on a passé je sais pas combien de temps à le chercher, je l'ai trouvé. Enfin, je suis un cassos. Non, je suis pas un cassos La génération est pourrie, je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais d'abord, regardez, je n'ai plus aucun XP, je me suis éclaté, j'ai fait des enchantements du Turfu. Alors, juste à noter que euh, c'est euh, les anciennes tomes, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. En fait, pour pouvoir les utiliser, il faut utiliser euh, le même bouquin, Vous voyez Le même bouquin, mais, euh, mais version Vania, et après ça te donne... Ah ouais, j'avais même pas compris ça te donne un enchantement qui n'existe même pas en Vanilla. Le Sharpness 6, ça n'existe pas. En fait, ça sert à ça, mais c'est génial. Oh bah, les gars, si j'avais su. Oh, mais j'aurais dû voir ça plus tôt. Parce qu'en fait, du coup, je me suis enchanté, les gars. Regardez mon, mon stuff. Alors, oui, il n'y a rien qui change jusque là. Mais en fait, regardez. Mon épée est passée Sharpness 4. J'ai fait mon arc Power 4. Et, et alors, là, ici, euh, Efficiency 4, Silk Touch pour la pioche en Diams. Ici j'ai mis Mending pour ma Iron Hammer, efficiency 3, je sais que vous m'aviez dit oui, alors fais une, une euh, Enfin la hammer là, donc le marteau, fais-la en diamant, etc. Mais je voulais pas gaspiller du diamant pour ça. Au contraire, je l'ai gaspillé pour réparer mon stuff en diams et également pour regarder, passer Protection 3, Aqua Affinity protection 3 sur le plastron, protection 3 sur les jambières. Malheureusement, pour les bottes c'est seulement protection 2, mais, feaser falling 2. Autant vous dire que niveau XP, je me suis fait plaisir. Et, euh, voilà. Je me suis fait plaisir, c'est ironique, hein, C'était très, très 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 chiant. Et puis, j'ai cassé, je sais pas quoi, une fois l'enclume. Donc, niveau fer, j'ai plus grand chose non plus. Bref, voilà. Et d'ailleurs, niveau nourriture. Ah, ça fait, ça fait plaisir. Ça donne le smile. Donc, les amis, ce qu'on va faire, au programme de cet épisode. Et je sais qu'il y en a certains qui vont m'en vouloir. Ouais, tu fais jamais rien. Eh, pep, pep. On en a parlé. On prend notre temps. On est là pour découvrir. Aujourd'hui, on va repartir là-bas. Je vais faire une ellipse le temps d'y aller, je vous rassure. C'est pas non plus à côté, mais c'est pas très loin. Je fais une ellipse le temps de retourner au Stronghold. Je vous montre le portail de l'End que j'ai découvert mais que je n'ai pas encore regardé. Je ne sais même pas combien il faut mettre d'Eye of Ender. Et après, on ira dans le biome Mesa, vous savez, qui est un petit peu plus loin et on ira explorer les nouveaux horizons, les nouveaux biomes, voir s'il y a des structures, etc. etc. La nuit va tomber, mais je vous rassure, j'ai un lit sur moi. On est parti, les amis. Installez-vous confortablement, on est parti pour une petite vingtaine de minutes euh, Et je vous fais une petite coupure le temps d'arriver jusqu'au Stronghold Des bisous à tous et merci pour vos commentaires Parce que c'est pas parce qu'il y a un gars qui m'a fait chier <laughs> Que les autres m'ont fait chier, et bien au contraire Et franchement les gars, merci pour votre soutien Allez, j'ai dit que je ferais une coupure, à tout de suite <laughs> Bon les amis, je vous reprends ici parce que je suis pas sûr qu'on était passé par ce chemin là Et euh, je trouve ça trop mignon Alors voilà, j'ai noté les coordonnées ici, hein, 1590, 68 Donc pour voir que c'est pas la porte à côté Mais surtout pour savoir euh, dans quelle direction aller mais ouais, il me semble qu'on n'est pas passé par là et je trouve ça plutôt mignon. Donc euh, j'avais envie de, bah, de capturer ce moment. Après, peut-être qu'on est déjà passé par là et c'est fort probable. Parce que là, il y a des abeilles et les abeilles, on en avait aussi croisé. Mais voilà, je, je reprends l'enregistrement ici parce que c'est vrai que c'est assez mignon par là. Et, euh, et les bruits d'ambiance aussi sont bien sympas. Donc, euh, donc voilà, si on est peut-être passé par là en fait. Avec cette. Ah oui, oui, oui. Avec la grosse colline juste ici et en fait, l'entrée le, le, du Stronghold est juste derrière. Donc on est arrivé, j'ai repris l'enregistrement en vrai au bon moment en fait. Hein. Euh, ah non, attendez, 68... Oh là je suis allé trop loin, c'est par là-bas. Ouh ouais, donc on n'est jamais passé par là, tu m'étonnes. On n'est jamais passé par là-bas. Là, -bas. là on, va, on va venir par la droite, là. Alors qu'avant, on était venu par la gauche. Euh, donc dans l'avant-dernier épisode, bien évidemment. Donc voilà, ça va être par là-bas. De toute façon, on va bientôt voir la structure... Elle est là, regardez. Elle est là, la structure en cobalt. Et nous, on venait par là-bas. Donc, euh, donc voilà, hein, petit euh, petite accent du sud. Donc on va juste regarder le portail. Je vais découvrir du coup euh, le nombre d'oeils euh, qu'il faut mettre dedans. Parce que je vous assure, je n'ai pas regardé. Quand j'ai vu le portail, je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé. Quand j'ai vu le portail, j'ai fait mais non. Et j'ai fait demi-tour, j'ai fait vas-y, va te faire foutre. Je regarderai ça en vidéo, ça m'a saoulé. <laughs> Très clairement. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Là il y a du fer à récupérer, donc il faudra que j'y pense à, à prendre ça éventuellement. Voilà. Du coup, c'est parti, on y va. Euh, on y va pour les gros nichons hein Excusez-moi, je, je m'en veux, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc en fait, vous allez voir, c'est tout con. C'est tout con, je me suis mis des aides mémotechniques pour pas louper. Donc euh, on continue par là, voilà, j'ai mis des petites bouses en fait. J'ai mis de la terre pour qu'on sache. On est déjà passé devant le portail sans le savoir. Et ça m'a dégoûté. Regardez les amis. Où est le portail J'avance, j'avance, je passe par là, tac-tac-tac. Et là, je me retrouve ici, avec la bibliothèque, et j'entends de la lave couler. Euh non, c'est du feu. On entend un petit peu du feu. Et là, je casse les blocs là. Et voilà. Le portail est là. C'est quoi cette foutue génération C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu ne pouvais trouver ce portail sans casser des blocs. Normalement, tout est lié. Là, c'est. Voilà. Donc, attention aux Silverfish. Par contre, ils vont nous embêter, à mon avis. C'est parti, on y va. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Tout va bien, c'est safe. C'est fou. Je ne comprends pas. Euh, c'est quoi cette génération Le truc est vraiment caché, quoi. Et s'il n'y avait pas eu le feu, j'aurais jamais entendu. J'ai vraiment eu de la chance. Heureusement que j'ai quand même continué, quoi. Ah oh, bah oui Les gars j'ai Silk Touch Du coup ça m'a récupéré euh, le spawner à Silverfish. Et je suis sûr qu'en Vania ça fonctionne pas. Et donc ça doit venir d'un mode, je crois. Parce que normalement même avec Silk Touch ça se récupère pas, je suis pas sûr. Bon, je vois pas à quoi ça pourrait servir. Euh, ok, bonjour. Eh ben c'est pas la folie, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il nous faut 10 Eye of Ender. Alors les Ender Pearl c'est bon, mais il faudra juste retourner dans le Nether pour récupérer les Enrods. Enfin, euh, les blaze rods. Euh, voilà, il faudra qu'on se fasse un petit peu des blaze. Mais voilà, donc euh, pour euh, le portail, il est bien là, il est beau. Euh, on pourrait se faire un accès direct. Non, c'est pas la peine, on va pas se casser la tête. Donc maintenant, les amis, qu'on l'a enfin trouvé, hop, je posais ça là, on s'en fiche. On va euh, ressortir et on va se balader. Voilà, encore un épisode chill. Oh, il est chiant, M.Colo, ces épisodes ils sont pourris. non, Attendez, on va découvrir, on va potentiellement trouver euh, des structures, des nouveaux villages, peut-être des nouveaux donjons à explorer. Bref, récupérer du loot. Et, euh, et non, je viens de là-haut, moi, mon ami. Euh, peu importe, on va euh, découvrir des nouveaux horizons. Je rappelle quand même qu'il y a aussi le biome. Euh, enfin, le mode Biomes au Plenty. Donc, bref, les gars, on est là pour apprécier. On est là pour passer du bon temps ensemble. C'est encore l'été, donc on se fait plaisir et on profite de la vie. Voilà, la vie est belle, n'oubliez pas. Donc, voilà, on ressort de, de, ce, de ce merdier. Euh, je récupérerai du fer, hein, de ces cas. De toute façon, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout à ce niveau-là. Donc, on va continuer par là-bas. Donc, dans cette direction, direction. Euh, direction Est, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je l'avais pas vu. C'est bel et bien direction Est. Euh, on va, on va continuer. Donc, on va voir. Normalement, il y a un biome Mesa. Et, euh, et c'est tout ce qu'on sait, en fait, en continuant par là-bas. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait quand même pas mal avancé entre temps. Euh, puisque je rappelle que voilà, on avançait. Et puis, c'est à partir de cet instant que j'avais renvoyé euh, une Eye of Ender qui nous avait fait du coup demi-tour. Hein, qui nous avait fait faire demi-tour. Il y a un biome savane aussi, d'accord. Mais on avait encore continué là, hein, il me semble. Hein. On n'est pas encore arrivé au bout. Ouais, on traverse ce biome savane. Qui me fait d'ailleurs penser aux crapules à la colo là, hein. Ah là, ça me fait carrément penser au crapule à la colo. Hein. Ha Excellent Voilà, et là, on arrive là-bas, le biome Mesa. C'est bon, on y arrive. On y est, le biome Messa. Voyons voir ce qu'il nous réserve. Euh, ou euh, qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Donc, en plus, avec un biome savane juste à côté. Donc, c'est très cohérent, pour le coup. Ok. Donc, c'est parti pour explorer. Avec en plus les petits euh, sons d'ambiance. Ok, en fait, c'est vraiment un mini biome Messa, en fait. Vraiment y a que dalle. Le reste c'est la savane. Ah si ça continue là-bas. Ok. Juste il y a du bois là. Donc ça veut dire que c'est un mineshaft, on est d'accord. Qui dit mineshaft dit coffre. Ah. Il n'y en a pas là. J'ai pas envie de descendre. J'ai pas envie de. Sauf si c'est un donjon, euh, j'ai pas envie d'explorer de, ça. C'est trop euh, classique. Vas-y, fuck. C'est de la merde. Nul. Nul sur 20, on se casse. On continue euh, nos péripéties. Oh Ah des moutons. C'est des moutons. Je crois que c'était des lamas. En plus ça va être bien sympa, ce serait dommage d'arrêter la série maintenant, mais très bientôt quand tous les mods seront à jour et tout, on va avoir de nouveaux mots créatures, tout ce genre de trucs, tu vois. Oh, ça va être trop bien. Ça va être trop stylé. Puis en plus il y avait tellement de mods que j'avais envie de, de prendre, mais ils sont que euh, dispo avec euh, la version de, de fabrique et non, et non pas de forge. Donc un jour ce sera compatible avec forge et ça va être trop bien, donc je vous en dis pas plus. Mais euh, le feu quoi. Ok donc euh, petit biome savane euh, petit biome messa, très sympa. Bah là du coup ça me fait penser à Madventure 2.0. Excellent. Mais en vrai dans l'idée Madventure 2.0 c'était bien quand même. Hein. En vrai. Oh ce serait stylé du coup si on pouvait trouver un loup aussi. Euh, putain, depuis le temps que je vais adopter un loup. J'ai toujours sur moi un name tag et, et des os. Hein, dans mon backpack, hein, je, je vous rassure. Hop, je pose ça là. Hein. C'est plutôt mignon. Hein. J'entends un squelette, ça doit être sous-sol. Ça doit être sous-sol. Et on repart sur un biome savane. C'est très, euh, très monotone. Hein. Ça manque de girafes, si vous voulez mon avis. Je verrais bien des girafes et des éléphants. Alors on, se croirait, euh, on se croirait en Afrique. Euh, c'est bien mignon tout ça. Hein. Ah oui, parce que je suis déjà allé en Afrique. Hein. C'est faux. Mais ça doit être quand même bien joli. Avec les petites fleurs et tout là. Eh ben voilà, on a trouvé quelque chose. Un nouveau donjon. Donc c'est le même donjon hein, euh, que celui qui était dans le premier village du début de la série. Mais ça c'est bueno, parce qu'on va avoir du stuff en folie. J'ai pas beaucoup de torches, ça c'est con. Eh, le spawner à Silverfish, qu -ce qu on qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. On s'en fout complètement. Bon, et puis là c'est moins rassurant parce qu'il n'y a pas de village autour aussi. Bonsoir. Hein. Ah oh, ouais, c'est chaud. Euh, attendez. Ça va me rassurer. On va d'abord dormir. Ah, il fait pas encore nuit. Voilà, bonjour. Bon, bah comme d'hab en haut, il n'y a rien. Bah d'ailleurs, on est très vite en haut. Incroyable. Et en bas, ça va descendre et ça va être la folie. Donc on va aller découvrir ça. Voilà. On va dodo. Non, je peux pas dodo. Et eh ben c'est pas grave. En attendant les amis, si je veux pas dormir, on va faire la miniature de la vidéo. Regardez. Allez, tac et hop et voilà la miniature de la vidéo en direct. Ça vous a plu eh ouais c'était le making of Dur, dur. <laughs> ok, on est parti. Et donc, très prochainement, les amis, en plus, avec le stuff que j'ai, c'est cool. On va retourner dans le Nether pour se choper des Eye of Ender. Par la suite, on ouvrira le portail, on se fera l'Ender Dragon. Et une fois qu'on aura fait l'Ender Dragon, on s'installera dans le Nether. Et il y en a qui seront. Il <laughs> y en a qui seront contents. <laughs> Excusez-moi, tous dans le coude. Hein. Et non pas dans la main. Alors. Ça m'a l'air d'être des cul-de-sac par ici. Là, il y a que des étangs de lave, c'est incroyable. Donc, on va continuer de descendre. Toujours au plus profond. Ça me fait peur. On va encore s'effrayer. Il va y avoir un screamer. Non, il n'y a pas de screamer. C'est pas le même donjon. Et heureusement d'ailleurs. Ce hein. serait très vite ennuyant. Ok, donc c'est pas le même. Hein. Là, on découvre encore un nouveau type de donjon. Voilà. Je sais qu'il y a un méchant là-bas. Du coup, je l'ai enfermé. Je suis fort. Hein. Allez, ça dégage. Voilà, donne-moi ta gunpowder. Là, on a du gâteau si on veut. Alors, c'est quoi comme méchant sans oublier la joie en vrai, non Attendez, faut que j'échange ça parce que je vais jamais m'en sortir. Et il est où le méchant Attendez, ça me rassure pas des masses. Ça me rassure pas du tout. Oh là 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 Ça me rassure pas Bon, bref, on a quoi Du charbon, yes Dommage que j'ai pas de, de stick. Ça nous aurait permis de... Eh les spider ah, on peut pas faire des potions avec Justement. Poison. Ah non, c'est pourri, c'est que du poison. Ok, donc ça sert à rien. Ah, on a une carte avec TNT. Et dans ce four, du charbon, yes. Bon, et en plus, il y a du bois partout, les gars. J'ai pas la hache. Non, j'ai pas pris de hache sur moi, je suis un imbécile. Ça aurait été sympa. Allez, on continue. Je sais pas, c'était quoi le monstre A mon avis, on risque de le croiser quand même. C'est stylé, hein Ah bon, à mon avis, on va le croiser par là. Où est mon avis oh là, oh là là je suis un beau gosse Dis donc Ok Bonsoir il y a des zombies partout on les entend Mais on les voit pas ça me fait plaisir Ça c'est nul une under pearl on dira jamais non Les ficelles c'est toujours bien Bon c'est bon on s'en fout ok Euh Oh, les zombards ils sont où Mais c'est un truc de fou. Non, mais de toute façon, c'est plus profond. Vous inquiétez pas. Alors, en vrai, plus on va s'enfoncer, plus ça va être la merde. Vous le savez très bien. Et là, on est parti à l'aventure. On n'oublie pas de jeter tous les trucs inutiles pour éviter de se mettre, euh, pour éviter de s'encombrer. Ok, je viens de là. Il faut que j'aille par là. Ouais. Ça me rassure pas, des masses. Ok. Euh, 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 euh. Ah Pardon. Je, je sais pas pourquoi j'ai crié. En fait, dans ma tête, je pensais qu'elle allait être gentille. Et en fait, elle ne l'était pas. Efficiency, ouais, oh, c'est éclaté. Oh, la musique 13, on l'a pas encore, je crois. Je crois qu'on a 3 CD à la maison. Ender Pearl, Cher on s'en fout les plumeaux aussi. Voilà. Et j'ai encore récupéré du coup un spawner à spider. Mais c'est génial ça. Oh On pourrait même se faire des usines et tout, et du coup... Alors les silverfish, on s'en fout. Mais pour les spiders, faire des usines à ficelle. Oh sympa bon on va, on va se faire une salle à mobs hein. ok c'est bien sympa mais euh, ouais niveau torche euh, c'est le caca et moi je n'ai pas de, de hache en fait donc ça va être très long bon l'avantage c'est que là ça me fait 4 sticks donc ça va assez vite à tout moment je peux me refaire des torches euh, ok bon c'est plutôt safe en vrai hein, là tranquille faut pas oublier que derrière les murs des fois il y a des petites surprises donc juste faire attention que je reconnaisse tu vois pas que je loupe des coffres ou quoi il est où le bébé zombie là euh... Il est juste là, il y a un bébé zombie là. Pas où il est, mais... On va se contenter de... Ah Ok. Ok, ils sont au-dessus. Il est bête Pourquoi il me tape pas Eh Il ne tapait pas le mec gentil alors attendez on va monter voir incroyable hop on fait comme on peut hein. oh ah mais c'est nul y'a rien c'est bizarre euh, comment c'est généré et il est généré bizarrement le truc quand même hein. bon on va on va retourner sur nos pas on va en profiter pour manger un petit bout de gâteau et ben voilà faut aller par là maintenant ouais je me disais bien et eh, ça me paraissait bizarre alors ça descend, voilà, ça ça m'intéresse ça descend, on va couper évidemment la lave voilà on va pas encore descendre hein. on va continuer par Ouh là, oulala qu'est-ce que c'est que ça oula bonsoir oh c'est stylé oh c'est stylé le ukulélé, attendez oh alors émeraude tac tac, on a un nouveau CD, le CD qui fait peur en plus, on a une alambic ah mais on en a déjà à la maison de toute façon. Donc on s'en fout, on va l'acheter, ça sert à rien de s'encombrer. Là le coffre. Un bloc d'émeraude, du lapis et tout plein de CD. Mais les gars, on va se faire une discothèque. Alors attendez, j'ai deux fois le CD 13. À la maison, je sais plus qu'est-ce qu'on a, donc voilà. Euh, je vais jeter ça. Non, je vais jeter euh, ça. Voilà. ça aussi on s'en fout. C'est stylé, étape d'enchant de bibliothèque. Bon le reste on s'en fout. Je regarde, hein. en vrai on va, on va sélectionner si on veut des trucs. Hein. Ah bah... Oh j'ai... J'ai silk touch. Ah oh bah les gars, hop là l'Ender Chest! On a une Ender Chest cadeau. Incroyable. Vraiment incroyable. Ce sera peut-être ça la miniature de la vidéo, j'en ai aucune idée. Ça dépendra. Peut-être que ce sera encore coupé en deux parties, je ne sais pas. Euh, incroyable. Allez, on continue du charbon par ici. On a encore des... Des choses. Alors je vais me recrafter des torches. Du coup. Alors... Ok. Alors c'est pas ouf. Deux diamants, voilà, on se fait des petits plaisirs, hein. Une petite enclume, on s'en fout. Ça, c'est pour upgrade gear. Très bien. Et en fait, il y a rien d'autre ici, hein. À part là, les fours, il y a peut-être quelque chose dedans. Ah. C'est complètement con. Ah, mais ils sont pas reliés au coffre. Ah, mais attendez, est-ce que ça voudrait dire que pas du tout. Ok, on a tout vu ici. Il y a pas de passage secret, mais c'est trop stylé comment ils ont fait ça. Euh, ok, donc on va pouvoir maintenant descendre encore plus profond. <laughs> Chose qui. Euh... Ah, toi t'es rassuré ou pas euh, Pas moi. Voilà. Tac, je graille et on va descendre en profondeur. Tout ce qui nous reste, euh, tout ce qui nous reste à faire. Ah bah c'est juste ici. Et voilà le méchant qu'on entend. Il est là. Voilà. Oh là là. Oh, il y a des méchants partout. Bonsoir. Bon ils vont pas m'embêter, ils sont tous enfermés, ça c'est bien. Alors, monsieur le villageois, j'ai pas de pomme en or pour vous. Donc vous m'excuserez, et d'ailleurs je vais commencer par là. Pareil, j'en profite de temps à autre pour recouper deux petites planches de bois, hein, qui c'est très utile pour faire des torches. J'ai cru que quelqu'un venait m'agresser. Euh. Et eh ben. Voilà, ce serait sympa de. Voilà. Allez, on progresse. Bonsoir. Un coffre. Oh, des golden apples. Et un nouveau bouclier. Mon bouclier, il est comment Oh bah ça va. Euh, J'ai un nouveau bouclier. Ça c'est stylé. Je vais le prendre. Il est vraiment stylé. Les sticks. Bah les sticks, bien sûr, pour faire encore des torches. Les golden apples. Ça, mais on en a tout plein à la maison. C'est fantastique. Euh, voilà. J'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que je peux jeter là de, de, de sur moi là euh, En vrai, le spawner à Silverfish, je le garde au cas où quoi. Et dans mon backpack j'ai une place pour mettre euh, bah genre un CD tu vois voilà Ok ça sera toujours ça de prix Ok ça continue par là bas on a un spawner On rush on rush on rush Je sais pas c'est quoi comme spawner Ah Qu'est-ce que tu veux toi Voilà oh en trois coups t'es mort Monsieur non talent Ah bah du coup j'ai récupéré le spawner à squelette On va se faire des, des usines à CD Bon lui le bouclier il est pas ouf hein je récupère les eaux, tiens et du coup je vais les stocker Avec mes os dans le backpack euh, Les sticks oui punaise on se fait des torches gratos Animus An unstable mixture Encore une potion bizarre qu'on sait pas ce que ça va nous faire Je la prends au cas où Et je vais euh, de ce pas euh, Bah faire des torches C'était ça que je voulais faire Voilà on est de nouveau bien là Et on a gratté deux diamants hein. Ok ça commence vraiment à partir dans tous les sens Ok encore un donjon Oh bah ça va Hop, on récupère. Et du coup, c'est quoi que j'ai récupéré Un spawner à zombies, ouais, tout simplement. Cher putréfié, attendez, voilà, des torches, de l'or, on s'en fiche. Ça, c'est bien. Euh, des sticks, toujours des sticks. Ouais, si l'or, ça peut être bien en vrai, mais vas-y, fuck. J'ai pas de place. Eh, on n'est pas là pour ça. Hein. On n'est pas là pour ça. Oh là Ah, ça va, gros. Oh ouais. En trois coups, il est réglé, lui. Alors, slime ball. Medicinal tincture. Ça, c'est un truc pour se régénérer aussi, à mon avis. Power, power, on s'en fiche. Bah, bah, je vais quand même prendre ça. Faut qu'on goûte, hein. Faut qu'on goûte, mais euh, vas-y, hein, c'est pas ouf. En vrai, la gunpowder, j'en ai besoin, quoi. Mais j'en ai besoin pourquoi nous Ah, ouais, pour faire la dynamite. C'est important, la dynamite, sans déconner. Ça va être trop bien pour faire notre base dans le nether, par exemple, ou dans les situations, euh, tu vois. Euh... Bah, comment on fait ça, la dynamite ICL. Ah, mais j'ai pas de sable sur moi, dommage. On aurait pu en faire. Euh, bah, sinon, dans tous les spawners que j'ai. Euh, mais en vrai on s'en fout des spawners les gars ou pas Déjà dans mon backpack en fait, Je vais mettre ça Franchement Déjà le spawner à zombie on s'en fiche complet hein. Entre nous Par contre j'ai récupéré un truc que je voulais pas ou quoi Perdu Par contre ce qui est sûr Voilà euh, Ouais la gunpowder Je la veux en fait du coup la gunpowder à la place d'autre chose Ah bah voilà à la place de ça c'était ça Voilà c'est bon de sac. Allez, on continue, les amis, on va y arriver. N'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr, si, euh, si ça vous plaît. Ces petites expéditions. Mais c'est bien sympa quand même. c'est euh, Ça change complètement euh, Minecraft euh, en temps normal, quoi, tu vois. Alors, en vrai, si tu casses derrière, il y, y, y a des trucs en vrai. Ouais, ouais, mais tout va, tout va se rejoindre, vous inquiétez pas. C'est pas comme le Stronghold où il fallait casser des blocs pour trouver des parties ou quoi. Ce coffre on l'a déjà pris. Salut le creeper, je m'en fous de toi très clairement. On va voir maintenant les autres accès, notamment ici. D'ailleurs la jackbox, comme j'ai décédé, on pourrait se jouer un petit morceau si vous voulez. Oula Même pas le temps de spawn. Y a quoi dedans? Thorns. Fortune 3. Oh ah ouais. Parce que du coup Fortune 4 ça n'existe pas. En vanilla. Mais du coup, normalement, ça va nous permettre de faire Fortune 4. Ça pète, hein. Ça pète de ouf. Je récupère tout ça parce que c'est trop cool. Thorns. Euh, ouais, est-ce que c'est vraiment bien Juste Thorns 4, ça changera rien, quoi. Vas-y, Fortune, il me le faut. Euh, ah, je pourrais utiliser Lender Chest. Comment on crafte ça Tiens. Oh, attendez, on peut faire un truc avec On peut faire une Tackle Box. Aquaculture quoi culture D'accord, c'est en rapport avec... Euh... Et du coup, ouais, comment on fait... Comment on craft un ender chest avec de l'obsidian et un ender Ok, c'est bidon. Donc vous savez quoi On va faire un truc méga intelligent étant donné qu'on n'a pas de shulker ou quoi. Je vais prendre un ender chest. Et je vais mettre dedans les spawners. Je vais mettre dedans les CD aussi. En gros, les trucs dont j'ai pas besoin en priorité. Et à tout moment, je pourrais recrafter un ender chest pour récupérer ça, tu vois. Les émeraudes, j'en ai vraiment pas besoin en priorité là. J'ai pas besoin de ça, on redécouvrira ça ensemble, tu vois. J'ai pas besoin... Euh, J'ai pas besoin... Ender j'en ai assez à la maison, de toute façon. pas besoin de ça. Voilà, je me serais déjà recrafté tout ça, de toute façon, tu vois. Euh, voilà. Je vais laisser l'Ender Chest ici en attendant. Donc ouais, voilà, je vais récupérer ça. Euh, bah non, bah du coup, j'en ai rien à faire. Fortune 3, c'est fantastique. Ça nous permet de faire Fortune 4, vous vous rendez compte C'est incroyable de l'or, une cloque, des œufs, des flèches surtout, et des sticks. Le reste, je m'en fous. Ok, eh, hey, on peut s'écouter un petit morceau. Ah bah non, j'ai mis dans la. Ah, oh, il y a un coffre ici. Piercing, rien à faire. Des œufs, par contre, c'est bien. Et des torches. Ok, on va continuer par là. Ah bah voilà, là c'est le moment où. Euh...